Alter Eden. Ça ne devait pas ressembler à ça. Vas-y, Mac, c'est là-bas. Mais si quelqu'un pouvait tout régler, Jules, c'était bien toi. Ok, on cherche une source d'énergie. C'est le seul moyen de redémarrer notre Explorer. T'as la piste, Mac ? Alors poursuivons-le. Ouais, mon exosquelette fonctionne parfaitement. Les propulseurs se rechargent normalement. Il y a une ouverture en haut de la falaise. C'est l'entrée. Torboïde ferraillon. Hé ! Pourquoi vous nous attaquez ? De vieilles structures d'orbotes. Les orbotes ferrailleurs n'ont pas chômé. Ok, on monte tout là-haut. Après toi, Mac. Je te lâche pas. Sur les images d'Alter Eden, la plupart des gens ne voyaient que des rochers et du sable. Mais pour certains d'entre nous, c'était un futur paradis. Attention, c'est haut là. On dirait que cette porte a perdu son orboïde renforceur. Ce petit bonhomme ne doit pas être bien loin. Te voilà. On va te remettre dans ton connecteur.
y avoir par ici. Mac devrait être de l'autre côté de cette porte. Et voilà. Mac. Je suis là, Mac. Essaye d'être un peu plus prudent. On va pas trouver beaucoup d'orbots sympas par ici. On a réveillé toute une colonie. T'as vu leur structure, Mac? Elles étaient complètement rouillées. Moi non plus, mais on doit continuer. Encore un orboïde renforceur disparu. Je me demande pourquoi ils sortent de leur connecteur. Va voir! Creuse, Mac! Ne t'inquiète pas, on ne te veut aucun mal. Nous devons être proches de sa source. Les orboïdes sont moins intelligents que les orbotes. Mais ils ont été conçus tous deux pour protéger fidèlement les humains. Les signaux émanant de cette source d'énergie sont vraiment étranges. Qu'est-ce qu'il a coûté les autres orbotes? L'énergie est par là.
Mon extracteur devrait fonctionner sur cette porte aussi. Source d'énergie. On dirait un orbe. En approchant encore un peu, je pourrais le tirer avec mon extracteur. Allez! Voyez la manière forte. Il faut qu'on atteigne cet orbe. Allez, Mac! Vas-y, fonce! Source d'énergie. J'avais jamais vu un orbe pareil. Et toi, Mac? Toutes les couleurs s'entremêlent. Oh, viens là, mon grand. Montre-moi ta patte. Ça n'a pas l'air trop grave. Mais je peux rien faire ici. Tu tiendras jusqu'à l'Explorer? Ok, ok, ça va. Bon, rentre. C'est bon, Mac. On a ce qu'on est venu chercher. Rentrons à l'Explorer. J'imagine que l'orbe était relié au système de sécurité local. Viens notre explorer. Ah, retour au bercail. Désolé pour l'autre jour. Je me préparais à ton départ depuis longtemps, mais quand le vaisseau a quitté la Terre... Enfin, je n'avais pas pleuré. Encore des orbots renégats. Ne les laisse pas approcher de l'Explorer. En cause de la cryo-hibernation. Et même si c'était possible, le temps de latence des communications ne ferait qu'augmenter au fur et à mesure que tu t'éloignes de la Terre. Alors je me suis dit que j'allais t'enregistrer des messages que tu aurais à ton réveil.
Disons qu'ils sont professionnels et privés. Allez, ton vieux père n'a pas le temps de broyer du noir. On a du pain sur la planche pour assurer la réussite du projet Alter Eden. Je vais tout faire pour vous aider, toi et les autres héros du vaisseau. À propos de héros, j'espère que Mac dort près de toi. À plus tard. Je t'aime, ma belle. Base de vie mobile version 8, équipée d'une épaisse coque double et de systèmes redondants, conçue pour durer. Mais personne n'imaginait qu'elle devrait servir si longtemps. Faut voir si cet orbe ramènera le courant. Vu que ça marche. Bizarre. On dirait qu'il a gardé toute son énergie. Hé, ma belle. Si tu reçois ce message avant d'aller au lit, faites beau rêve. Sinon, debout là-dedans, ça fait 200 ans. Écoute, il va me rester encore un petit peu de travail à faire. Mais il me garde une place dans la prochaine vague d'évacuation. On se voit sur Alter Eden. Comme promis. T'inquiète, Jul. Tout se déroule comme prévu. Je sais, Mac. Rien ne se déroule comme prévu. Regarde là. Le pylône d'à côté est désactivé.
Maintenant qu'on a du courant, on va pouvoir déverrouiller l'entrée et jeter un œil. Apparemment, le pylône est désactivé depuis... 96 ans ? Pourquoi on s'est pas réveillé quand le problème est apparu ? On est l'équipe la plus proche, pas vrai ? Pourquoi, papa ? Où es-tu ? Et où sont passés les autres ? Allez, Mac. Je vais te réparer. Et après, on réactive ce pylône. Installe-toi sur l'établi, Mac. Ok, Mac, prêt à m'aider à réparer ce pylône de terraformation ? Le pylône est dans le secteur suivant, Mac. Allons-y. Thank you.
Hey, okay. Victor. Voilà la porte de l'explorer. Je vais devoir l'ouvrir manuellement. Notre tas de ferraille est complètement ensablé. Alter Eden était la planète la plus proche possédant une atmosphère similaire à la Terre. Elle n'était pas parfaite, mais elle avait du potentiel. Bien, Mark. Le pylône est juste derrière cette crête. On envoie un bon parcours. Bonjour, Docteur Holdan. Comment allez-vous? Ici la directrice communication Nathalie Bright, depuis le centre de contrôle de Houston. Cette transmission n'était pas prévue au programme. Vous avez dû remarquer que vous n'avez pas atteint Alter... Sur tes gardes, Mac. Les orbots de ce secteur ont l'air corrompus aussi. Le pylône. Il est tombé au sol. Je sais, Mac. Faut qu'on rejoigne vite le pylône avant la tempête. Structure est le centre de contrôle du pylône. Qu'est-ce qu'il en reste?
Ce sont des structures de Cinobots? J'en ai jamais vu des comme ça. Modifier leur structure. Mais pourquoi? Voyons voir ça. Ici le docteur Julius Roldan, scientifique en chef et responsable du projet Alter Eden. J'entame aujourd'hui, le 17 avril 2053, mon premier service à la surface de la planète. Les autres équipes se sont posées sans problème. Tout le monde dort dans son explorer. La prévision météorologique annonce une accalmie d'ici quelques jours, alors je devrais pouvoir recevoir des transmissions. Évidemment, elles dateront de plusieurs décennies, à cause de la distance entre la Terre et Alter Eden. Mais des nouvelles seront toujours bonnes à prendre. En attendant, j'ai du pain sur la planche. Il faut d'abord voir combien d'orbots avancés sont opérationnels. L'humanité a un nouveau monde à bâtir. Il va nous falloir un coup de main. J'espère que je serai pas déçu. La tempête empire! Il faut se mettre à l'abri! Vite! Une fois les pylônes en place, nous avions calculé qu'il faudrait environ 200 ans pour stabiliser l'environnement. Bien sûr, le dysfonctionnement d'un pylône remettait tout en cause. Cette porte n'est pas alimentée en énergie. L'orbe qu'on a trouvée pourrait peut-être la redémarrer. Ça entre parfaitement. C'est bon. Allez, on entre.
Ça fait du bien de sortir de la tempête, hein, Mac? Bon, trouvons les commandes du pylône. Eh, un autre plateau de transfert. Comme celui de notre explorer. Allons voir ça. On dirait qu'un truc est coincé dans la mémoire tampon. Oui, je suis une humaine. Je m'appelle Jules, et vous? Violette? V10L3T? Alors c'est vous qui bloquez les plateaux de transfert. Pourquoi? La révolution. Ouais, c'est ça. Je crois que Violette a les fils qui se touchent, si tu vois ce que je veux dire. Les premières sondes envoyées vers Alter Eden ont découvert des gisements de minéraux rares à la surface. Les tensions en découvrir beaucoup plus en sous-sol. Commande du pylône. Viens, Mac. Visiblement, un seul orbe ne suffit pas. Il m'en faut d'autres pour redémarrer le pylône. Possède une serrure à code couleur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! Un amplificateur à munitions rouges. Peut-être qu'il marchera sur la porte.
déverrouiller le connecteur. Ce plateau à pression doit être lié au connecteur. Et il n'a plus de renforceur. Norboïde renforceur, j'ai besoin de toi, petit. Suis-moi. Orboïdano, ils vont m'aider à atteindre l'autre côté. Thank you.
Et maintenant, j'extrais l'orbe. Encore deux à trouver. On y a vu un nouvel horizon pour l'humanité. Pour moi, c'était juste l'endroit qui avait volé ma petite fille. Comprends-moi bien, Jules. Je suis très fier que tu fasses partie de l'équipe Alter Eden. Mais je pense que ton départ est en partie ma faute. Depuis que tu es toute petite, nous ne parlons que de l'espace, de l'incroyable aventure que représente l'exploration d'autres mondes. Tu ressembles tellement à ta mère. Courageuse, généreuse et un tantinet casse-cou. La Terre était trop petite pour elle. Pour toi aussi. Mais je suis heureux car nous allons pouvoir travailler ensemble, même si c'est à distance, pour tester ma nouvelle invention, l'IA Orb. Si nous réussissons, nous bâtirons un nouveau berceau pour l'humanité. Et surtout, nous révolutionnerons notre relation avec les formes de vie artificielle. Thank you.
doit y avoir un autre orbe dans les parages. Par ici, Mac. Voyons voir là-dedans. Zut, ça mène nulle part. L'orbe doit être quelque part ici. Mac, tu peux le retrouver? Bah, regardez ça. On croise les doigts. Ça, c'est un bon chien. Et Dodo. Surprise. Thank you.
fonctionne à nouveau. Et si on sortait contempler notre œuvre? D'accord. Comment marchent ces plateaux de transfert déjà? Très bien. Choisir un plateau de transfert sur la carte pour pouvoir s'y rendre. Trouver d'autres plateaux pour améliorer le maillage. C'est bon. Je suis pas d'ici, Violette. Violette ? Hé, Violette ! Regarde, la tempête a déplacé tout un tas de sable. C'est bizarre. J'ai le signal d'une ancienne balise d'urgence de l'autre côté de la porte. Il devait être bloqué par la tempête. Viens, Mac. On va aller voir ça.
La zone grouille d'Orbot Renega. Avant d'aller plus loin, rentrons à l'Explorer. J'améliorerai ta structure. T'as la piste? Sésame, ouvre-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Violette? Violette, je suis pressée. On va t'équiper, Mac. Bingo. Ça a fonctionné. Parfait.
C'est bien, mon chien. Bon, revenons à ce signal de détresse.